Salut tout le monde, aujourd'hui, séquence poussette. Alors aujourd'hui, nous sommes au village de la Guittière. Vous avez vu hier une photo de quelque chose qui se trouve dans ce village. Les petits villages comme la Guittière, aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose dedans, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, avec l'automobile et l'exode rural qu'il y a eu, il y a toujours des gens qui habitent dans ces villages, mais ils ne travaillent plus forcément dedans. La vie est un petit peu ailleurs. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où il y avait beaucoup de vie dans le village. Derrière moi, on aura vu tout un tas de gens qui s'activent pour aller travailler dans les marais, dans les champs, aller au marais à poissons. Eh bien, je vous propose qu'on se transporte un petit peu à cette époque-là où c'était le rythme des saisons qui allait ponctuer la vie des gens et aussi les événements qu'on allait retrouver tout au cours de l'année. Revenons donc à une époque où le village grouillait de vie. Au printemps 1900. Là il y a juste un papy, mais c'est qu'on est mal tombé. D'ailleurs, j'entends des voix de femmes non loin d'ici. Mais c'est bien sûr, aujourd'hui, c'est le jour de la bujaille. Revenons 10 secondes en 2020. Ça, c'est la ponne. C'est ce que vous avez vu en photo hier. Une ponne, on s'en servait pour faire la lessive. Et la grande lessive du printemps, ici, dans le Poitou, on l'appelait la bujaille. Nous sommes donc au printemps 1900. À l'époque, il n'y avait pas de fleurs qui dépassaient de la ponne. La bujaille se faisait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il fallait récupérer les cendres des feux de bois accumulés au cours de l'année et les guerlayer, c'est-à-dire les passer dans un tamis afin d'enlever les petits morceaux de bois et de charbon. On mettait alors les cendres tamisées dans un sac en tissu. Attention, il ne fallait pas utiliser n'importe quelle cendre car celle des végétaux riches en tanins pouvait tacher les vêtements. Après ça, on venait mettre le linge dans la ponne. C'était un art de savoir assir la bujaille, de bien placer le linge afin d'en ranger le plus possible. L'on plaçait d'abord le linge le plus gros, les torchons, ensuite les draps, les grosses nappes de tous les jours, les chemises d'hommes et de femmes en faisant attention que les manches soient repliées vers le centre et ne touchent pas les bords de la ponne. Puis le linge fin, les nappes et les serviettes des jours de fête. Les serviettes de toilette, les mouchoirs, les têtes d'oreiller, puis le paquet aux voisines. Entre chaque rangée de linge, on versait de l'eau afin qu'il soit bien trempé, et sur la dernière rangée, on déposait le sac de cendres. On laissait alors passer la nuit. Puis, le lendemain, on allumait un feu sous la poêlonne, une grosse cuve en fonte remplie d'eau. Une fois l'eau bouillante, il fallait alors couler la bujaille. C'est-à-dire prendre l'eau de la poêlonne à l'aide d'un potin et la verser sur le linge. L'eau, mélangée à la cendre, coulait ainsi sur tout le linge et ressortait en bas par la chaîne pour retomber dans la poêlonne. Oui, je sais, c'est mal illustré sur ce petit film. Il fallait répéter cette opération toute la journée et maintenir le feu pour que l'eau reste constamment bouillante. Si le travail était rude, l'on riait bien et les langues allaient bon train. C'est pourquoi, en parlant d'un bavard, on a coutume de dire « Oh, l'est une vraie lavrasse de bujaille !»« L'est une vraie lavrasse de bujaille, celle-là !» Là, on apprenait des nouvelles du pays, les prochains mariages, les futures naissances, les histoires de voisinage et surtout, les femmes d'un certain âge critiquaient vertement la tenue des jeunes filles qu'elles trouvaient bien effrontées dans leur comportement et leur façon de s'habiller.